Le jour de mariage d'un couple de l'Ohio prend un tournant surprenant lorsqu'une invitée se présente en robe blanche à la cérémonie. Avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à AZ237 et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des histoires que nous publions au quotidien. Un jour de mariage est censé être l'un des moments les plus mémorables et spéciaux dans la vie d'un couple, avec toute l'attention concentrée sur la mariée et le marié. La mariée, en particulier, est souvent au centre de l'attention, se délectant de l'amour et de l'excitation qui entourent l'événement. Cependant, l'une des plus grandes craintes de toute mariée est la possibilité que quelqu'un lui vole la vedette lors de son grand jour, transformant ce qui devrait être une journée joyeuse en un véritable cauchemar. Dans cette histoire, un couple avait méticuleusement planifié chaque détail de leur mariage, du lieu à la restauration, en passant par la liste des invités. Ils s'attendaient à ce que tout se passe sans accroc, mais leur journée spéciale allait être perturbée par quelque chose d'entièrement inattendu, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Cet incident de mariage est gravé dans les mémoires. Amy Hill et Rich Penza ont annoncé leur fiançailles après avoir vécu une magnifique relation de 3 ans. Amy avait déménagé de l'Oklahoma à l'Ohio pour 16 études, où elle a rencontré Rich, l'amour de sa vie. Leur connexion s'est renforcée un jour de pluie lorsque Rich a offert à Amy de la raccompagner chez elle, car la pluie battante rendait difficile son retour à pied. Ce trajet pluvieux marqua le début de leur histoire d'amour. Après 3 ans de relation, le couple a décidé qu'il était temps de s'engager pour la vie et a commencé à organiser leur mariage. La première étape consistait pour Rich à présenter Amy à ses parents et à sa famille élargie. Amy était ravie de rencontrer la famille de Rich, mais elle tenait particulièrement à faire bonne impression auprès de sa mère, qui allait bientôt devenir sa belle-mère. Leur relation a eu un début unique, leur premier rendez-vous ayant eu lieu lors du mariage d'un ami dans une charmante petite église de l'Ohio. Il semblait donc tout à fait approprié que 3 ans plus tard, ils choisissent la même église pour échanger leurs vœux. Les préparatifs du mariage avaient été soigneusement élaborés bien à l'avance, et tout semblait être en ordre. Cependant, l'idée d'un mariage parfait allait bientôt être remise en question par un événement imprévu. Bien qu'Amy et Rich soient ensemble depuis 3 ans et soient confiants dans leur engagement mutuel, ils étaient tous deux impatients de célébrer officiellement leur union. Mais à leur insu, quelqu'un d'autre se préparait à perturber leur journée soigneusement planifiée. Amy, connue pour son sens du détail, était déterminée à trouver la robe de mariée parfaite. Après avoir cherché dans de nombreux magasins, elle a finalement trouvé la robe de ses rêves. Amy et Rich étaient tous deux prêts pour leur grand jour. Et leur excitation était palpable à l'idée de prononcer leurs vœux dans la même église où leur histoire avait commencé. Ils avaient invité un groupe restreint d'amis proches et de membres de la famille pour garder la cérémonie intime, croyant connaître chaque invité. Cependant, un invité s'apprêtait à jouer une farce choquante au couple. En raison des contraintes de temps, Amy n'a pas eu de soirée entre filles, alors 7 demoiselles d'honneur se sont rassemblées autour d'elle le matin du mariage pour l'aider à se préparer. Serrées dans une petite pièce de l'église, les femmes appliquaient du maquillage et aidaient Amy à se préparer pour ce grand moment. Amy se sentait chanceuse d'avoir des amis aussi solidaires à ses côtés, mais elle ne se doutait pas qu'une personne allait tout gâcher. Le matin de son mariage, Amy commença ses préparatifs, inconsciente du drame qui allait se dérouler. Alors qu'il était temps pour elle de descendre l'allée, Rich attendait avec impatience son arrivée. Mais quelqu'un d'autre attendait aussi. Amy, accompagnée de 7 demoiselles d'honneur, sortit de la pièce et se dirigea vers l'amour de sa vie. Pour le mariage d'Amy, la coordination des couleurs était essentielle. Elle et Rich avaient convenu que les hommes porteraient des costumes gris, tandis que les femmes porteraient des robes bleues royales. Cependant, cette coordination minutieuse allait être perturbée.
alors qu'Amy, prête à devenir l'épouse de Rich, entra dans l'église avec un sourire radieux et croisa son regard. Elle aperçut quelque chose qu'elle aurait préféré ne jamais voir. Comme beaucoup de mariés, Amy a plus tard admis que son jour de mariage lui semblait flou. Avec tant de choses qui se passaient en même temps, c'était accablant. La plupart des gens disent que leur mariage est flou, et c'est vrai pour moi aussi, se souvient-elle. Cependant, un moment de son mariage resterait gravé dans sa mémoire à jamais. En jetant un coup d'œil autour d'elle, elle remarqua quelqu'un dans la foule portant une robe blanche, pas n'importe quelle robe blanche, mais une véritable robe de mariée. Amy resta figée un instant en voyant la femme dans la robe blanche. Sa première pensée fut « Comment et pourquoi a-t-elle fait ça ?» Et sa deuxième pensée fut « Mais qui est-ce ? Qui peut bien avoir décidé de gâcher le mariage ?» Amy essaya de se calmer. Elle savait que cela ne servirait à rien et qu'elle ne pouvait pas laisser quelqu'un ruiner son mariage ainsi. Elle commença à marcher vers Rich et retrouva son sourire, tout en voulant savoir qui était cette femme qui lui tournait le dos. Amy atteignit l'autel et décida qu'elle ne regarderait pas cette femme avant la fin de la cérémonie. Après tout, c'était Rich qui comptait le plus au final, et c'était leur jour, peu importe ce qui se passait. Après la cérémonie, lorsque Amy et Rich furent annoncés comme mari et femme, ils descendirent de l'autel pour recevoir les félicitations des invités. Et c'est à ce moment qu'Amy remarqua que la personne qui portait une robe de mariée n'était autre que sa propre belle-mère. La mère de Rich se tenait là, au milieu des invités, et tous les regards étaient partagés entre la réaction d'Amy et celle de sa belle-mère. Amy n'avait qu'une seule question en tête. « Pourquoi cette femme porte-t-elle une robe de mariée le jour de mon mariage ?» Amy n'était pas la seule à remarquer ce que sa belle-mère avait fait. Tout le monde l'avait remarqué, mais personne ne voulait attirer l'attention d'Amy sur ce sujet en particulier. C'est comme si les gens ne voulaient pas attirer l'attention là-dessus, dit-elle. Cependant, de nombreux invités s'en souviennent encore. À la surprise générale, Amy resta plutôt calme. Elle savait que ce que sa belle-mère avait fait n'était pas correct. Mais il se passait tant de choses en même temps qu'Amy décida d'ignorer la situation pendant un moment. Quiconque a déjà assisté à un mariage sait qu'il est d'usage qu'aucune autre personne ne porte de robe blanche à un mariage, surtout pas une robe de mariée. Mais Amy ne voulait pas faire quelque chose de mal en demandant à sa belle-mère pourquoi elle avait agi ainsi, jusqu'à ce que « Je ne savais pas ce que ma belle-mère avait prévu de porter », écrivit Amy. « Je n'ai pas pensé à lui demander. » Si seulement elle avait posé la question, sa journée de mariage n'aurait peut-être pas été un tel désastre. Et elle voulait vraiment savoir pourquoi. Les demoiselles d'honneur d'Amy passèrent le mariage à l'observer, puis à regarder sa belle-mère et à nouveau Amy, afin de s'assurer que les deux ne se disputeraient pas. Mais Amy avait décidé de ne pas perdre son calme. « Je suis heureuse de dire que le mariage s'est déroulé sans effusion de sang, ni personne poussée dans la fontaine de champagne, » dit-elle. Amy était tellement furieuse des actions de sa belle-mère qu'elle en a parlé sur Twitter. Et toute la communauté Twitter fut choquée de voir comment une mère pouvait faire une telle chose à sa propre belle-fille. Et tout le monde voulait savoir pourquoi. Amy a finalement confronté sa belle-mère. En la questionnant, sa belle-mère lui a expliqué qu'elle avait trouvé la robe dans une friperie à un prix très bas, alors elle l'a achetée sans réfléchir. Mais pourquoi était-elle si déterminée à acheter quelque chose de bon marché pour le mariage de son propre fils? Amy a révélé à sa famille Twitter en écrivant « Voici le truc, ma belle-mère est extrêmement frugale et je ne veux pas dire qu'elle aime juste les bonnes affaires. Pour la comprendre, il faut connaître son passé. » La belle-mère d'Amy avait été très pauvre durant sa jeunesse. Elle et ses frères et sœurs se faufilaient dans la cuisine, juste pour manger des têtes d'allumettes. Une chose que seuls les enfants malnutris feraient dans une situation de pauvreté. Amy a continué sur Twitter.
Quand on grandit avec rien, cela reste avec vous pour toujours. Peu importe combien d'argent vous gagnez, il y a toujours cette petite peur au fond de vous que quelqu'un puisse tout vous enlever. Sa belle-mère avait toujours été une chasseuse de bonnes affaires, et cela avait affecté son attitude envers de nombreuses choses dans la vie. Très souvent, ses habitudes de négociation prenaient le dessus, et les choses qu'elle faisait étaient hilarantes. Amy a tweeté à propos de nombreux incidents où sa belle-mère avait montré ses talents de négociatrice, et ils étaient vraiment drôles. Elle retirait des olives d'un Bloody Mary pour les utiliser plus tard dans des salades. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La belle-mère emportait également une bouteille d'eau partout avec elle et la remplissait avec les carafes fournies par les restaurants. Quand sa famille lui demandait d'arrêter, elle répondait « Pourquoi pas ? Je le paie bien. » Lorsque les lecteurs sur Twitter ont pris connaissance de tant de détails sur la belle-mère d'Amy, leur histoire semblait vraiment émouvante. Après avoir pris connaissance de tous les détails, ni Amy ni les lecteurs de Twitter n'ont eu de problème avec la robe qu'elle avait portée. En fait, Amy nous raconte que sa belle-mère est une personne très généreuse. Elle écrit « Lorsque mes jumeaux étaient nouveau-nés, elle traversait la ville chaque nuit, dormait sur le canapé et faisait 3 tétées pour 2 bébés chaque nuit pendant des mois. Elle marcherait sur des charbons ardents pour ses petits-enfants. » Si Amy et sa famille repensent aujourd'hui au mariage, ils trouvent tous l'incident plutôt amusant. Au fil des années, alors qu'Amy a construit une relation profonde avec sa belle-mère, elle a réalisé que cette dernière n'avait jamais eu de mauvaises intentions. Oui, la robe de mariée était un choc, mais cela m'a laissé un souvenir assez drôle, dit-elle. En fait, Amy a trouvé un aspect positif dans cet incident. Personne n'a jamais oublié cet événement, et il faut admettre que certains mariages peuvent être oubliables, dit-elle. Et bien sûr, cet incident a rendu leur famille célèbre, en raison des tweets d'Amy à ce sujet sur son compte Twitter. L'histoire a même fini par passer dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, après avoir fait le buzz sur Twitter. Mais avant de partager cette histoire sur son compte Twitter, Amy s'inquiétait que sa belle-mère puisse être blessée si elle racontait l'histoire au monde entier. « Quand je lui ai dit que cela attirait beaucoup d'attention et que je craignais que cela ne blesse ses sentiments, elle a balayé ça d'un revers de main. « Peu importe, tant que ça me rend célèbre », a-t-elle répondu. Même si elle a eu une petite crise lors de son mariage, Amy n'a pas été affectée par l'acte de sa belle-mère. Depuis, la dame sait qu'elle n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Si vous lui demandez maintenant, elle vous dira qu'elle se sent terriblement mal à ce sujet, a écrit Amy.